dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. J'écris toujours pour quelqu'un, et la vie en rose, je l'ai écrite pour Marianne Michel. Deux ans après, quand c'est devenu un succès, que l'on me l'a réclamé, alors je l'ai chanté. Elle chantait formidablement bien lorsqu'elle était amoureuse et formidablement bien lorsqu'elle était en rupture. Quand j'écris, c'est pour quelqu'un, c'est que ce quelqu'un me le demande. Et je n'ai jamais confiance en moi. Alors je ne les chante jamais en premier parce que je me trouve pas un bon auteur. Les nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Édith Piaf avait souvent des idées mélodiques. Mais n'étant pas inscrite à la Société des auteurs, elle ne pouvait les signer. Depuis, Édith Piaf a appris la musique avec Robert Chauvigny à New York et fait désormais partie de la Société des auteurs. Par de bonheur.